بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكنا عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمار كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à téléphone de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très 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 bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Il s'agit d'un contrôle. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la suite du contrôle. La deuxième partie, pourquoi? Parce qu'il n'est pas terminé. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons cours 6e année enseignement primaire, contrôle deuxième partie, la suite. Voilà, la suite. Alors, la grammaire, hein, on est arrêté à l'exercice numéro 13, utilise l'adjectif indéfini. Un adjectif qui n'est pas défini, il est indéfini. Convenable. Alors, dans régions du monde, des populations n'obtiennent pas les quantités nécessaires à leurs besoins. Voilà la phrase. Donc, on va ajouter un adjectif indéfini. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire dans certaines, le féminin pluriel, dans certaines régions, il n'est pas bien défini. Hein, certaines régions, il n'est pas bien défini quelle région. Certaines régions du monde. Des populations n'obtiennent pas les quantités nécessaires à leurs besoins. Quatorzièmement, enrichir la phrase par un ou des compléments. Ça veut dire qu'on peut ajouter un complément, ou bien deux, ou bien trois, et les compléments et se différencient. Alors, mon ami écrit. Voilà la phrase, mon ami écrit, c'est une phrase correcte. Le verbe écrit, il peut être transitif. Et intransitif. Quand on dit mon ami écrit, c'est juste. Il est intransitif. Quand on ajoute un complément, il devient transitif. Mon ami écrit quoi? Une lettre. À qui? À sa maman. Donc on a enrichi la phrase par un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc voilà ce qu'on appelle l'enrichissement. Grand C, conjugaison, écrit le verbe souligné au passé composé. Quand on dit le passé composé, ça veut dire qu'il y a deux verbes, l'auxiliaire plus le participe passé. Les hommes, alors, sont rarement assez attentifs à l'eau. Ils sont rarement attentifs à l'eau. Alors, nous avons le verbe être au présent. Alors, le passé composé, ont été. Les hommes ont été rarement assez attentifs à l'eau. Voilà la phrase. La 16e question. Écrire les verbes soulignés. Les verbes qui sont soulignés à l'imparfait. Alors, nous avons ils n'ont pas conscience qu'il s'agit d'une ressource précieuse. Ils n'ont pas conscience. Mais nous avons dit que nous avons dit nous avons le verbe avoir, à l'imparfait, il n'avait pas au pluriel à unité conscience qu'il s'agit d'une ressource précieuse. Donc voilà, l'imparfait avait. Bien, je termine l'explication. Bien. Bon, voilà, tu finis ton travail. Alors, le verbe finir au présent, à l'imparfait, on dit tu finissais. Hein? Tu finissais. Alors, pour conjuguer l'imparfait, si vous ne savez pas comment il faut conjuguer un verbe à l'imparfait, il faut le conjuguer au présent à la première personne du pluriel. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Alors, à l'imparfait, je dis je finissais. Voilà. Écrire le verbe entre parenthèses, autant demandé. Alors, nous avons ici le présent. Alors, la maman essuie et le verbe essuyer. Alors, attention, les verbes qui se terminent par uer, ou bien aïer, ou bien oyer. Devant e, le y se transforme en i. La maman essuie. Alors, normalement, on va dire la maman essuie.
Voilà la conjugaison. Hein? On efface er et on ajoute e. La conjugaison du verbe du premier groupe. On efface l'infinitif et on ajoute e. Voilà. J'efface e et j'ajoute. Mais y, il précède e. Donc je remplace le y par i. Et on dit je suis, tu essuies, il essuie. Alors nous essuyons, il n'y a pas e. Vous essuyez, il n'y a pas e, il y a e. Il essuie, il y a e, alors ent. Voilà. Essuie la vitrine, présent. Vous allez au cercle la semaine prochaine, le futur. Donc vous allez, c'est le verbe aller. Alors au futur, vous irez au cercle la semaine prochaine. L'élève écrire, le verbe écrire. Alors l'élève écrit à quel temps? Au présent. Il écrit la règle. Il écrit la règle. 18e, relève du texte un verbe à l'infinitif. Relève du texte un verbe à l'infinitif. Alors dans le texte, il y a le verbe couler, il y a le verbe s'échapper. Il y a le verbe s'échapper. Orthographe, grand D. Alors, 19e, alors l'exercice numéro 19, j'ajoute les accents manquants. Hein, c'est les accents qui manquent. Hein. Quelle est la quantité d'eau consommée par un Américain? Alors, nous avons ici quelle est la quantité. Voilà, accent. Commencer, voilà l'accent aigu. Américain, voilà l'accent aigu. Ce sont des accents aigus. 21e, l'exercice numéro 20, complète par là, l'article, et là, il exprime le lieu. C'est là. C'est là-bas. Hein? Je montre avec le doigt. Là-bas. Ici, là-bas. C'est là-bas où se trouve le barrage de la région. C'est là-bas où se trouve le barrage de la région. Voilà, là, avec accent. Et voilà, là, l'article. Hein? Le déterminant, là, c'est un article. C'est un article défini, la région. L'exercice numéro 21, écrit au pluriel. Écrit au pluriel. Nous avons un cheval. Un chacal, pardon, un chacal, dit chacal avec S, un cheval, des chevaux, un pneu, des pneus avec S, des pneus A avec S. Bien, je termine, je tourne le tableau. Bien, voilà l'expression écrite. Remets, hein, remets, le verbe mettre une deuxième fois, remets en ordre ces phrases pour obtenir un paragraphe. Nous avons plage, ville, parents, vacances, cadeaux. Il faut les mettre à leur place. Je passe mes vacances. Voilà. Avec mes parents. Avec mes parents à la ville. À la ville. On va voir ce que c'est la ville. J'ai déjà visité la ville et j'ai acheter à la plage. Ici, nous avons à la plage. Hein? Avec mes parents à la plage. Voilà. Je passe mes vacances avec mes parents à la plage. J'ai déjà visité la ville et j'ai acheté un cadeau. Voilà. Alors, donc ici, je ne peux pas dire avec mes parents à la ville. Pourquoi? Parce que ici, on ne va pas dire j'ai acheté à la plage. Non. Avec mes parents à la plage, j'ai déjà visité la ville. Et j'ai, alors, dans la ville, il a acheté un cadeau en souvenir à bientôt. Hein? Un souvenir à bientôt. Donc voilà l'expression écrite. Voilà la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo.